On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit pour l'émission au grand complet le nouveau député fédéral de Saint-Jean, à la Chambre des communes, bien sûr. Il s'appelle Jean Rioux. Il représente le Parti libéral du Canada, le parti qui forme maintenant le gouvernement. Vous le savez, c'était les élections fédérales l'automne dernier. Saint-Jean a maintenant un nouveau député, député du Parti libéral du Canada, parti qui est au pouvoir. Jean Rioux est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on s'est vu quelques fois. C'était la pré-campagne, la campagne, les élections, après les élections. Mais après ça, une fois qu'on est élu, évidemment, il faut rencontrer, il faut se rendre à Ottawa quelques fois. Il y a des formations, il faut bâtir son équipe de comté, l'équipe d'Ottawa, le bureau et tout ça. À quelle étape êtes-vous rendu? Bon, êtes-vous fonctionnel? On est fonctionnel. C'est ce qu'on appelle la logistique. Ouais. Ce qui a été le plus simple, j'ai été chanceux, ça a été le bureau d'Ottawa, parce que j'ai repris le bureau de l'ancien député. Donc, c'était même ligne téléphonique, etc. Ça a été la chose la plus simple. Après, ici, ça a été une surprise, parce que je croyais reprendre l'ancien bureau du député. Mais vu qu'il ne s'est pas représenté, c'est qu'on a pris les meubles, puis on les a entreposés à Montréal. Donc, ça m'a permis la chance de regarder pour un autre bureau. Et c'est fait. On a pu atteindre différents objectifs par ce choix. D'un, on a loué les bureaux de l'ancienne caisse sur la rue Mairand. Bien, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis allé me promener sur votre site Internet et là, je vois l'adresse. Rue Mairand, j'ai dit, ça doit être probablement dans le secteur de l'ancienne Caisse populaire. Exact. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'aller vers là? Ça a été acheté par le regroupement des personnes handicapées. La bâtisse. Dans la bâtisse. Et il y avait déjà des organismes qui sont là, dont la société Alzheimer en particulier. Donc, on s'est dit, c'est un moyen. Un, c'est central. Il y a eu une négociation aussi, le prix était intéressant. Puis en même temps, on aidait un organisme à but non lucratif. Qui se cherchait un locataire. Exactement. Et pour nous, c'était différents aménagements, mais qui convient à nos besoins. Bon, donc c'est accessible. Très accessible. C'est une caisse populaire, donc... Autant pour les personnes à mobilité réduite. Exact. Près du transport collectif, donc près du cégep. Exact. Fait qu'on est près, je pense, de tout. Stationnement facile. Et un milieu agréable pour les gens qui vont travailler au bureau. Parce que je me suis rendu compte que par rapport à Québec, on est beaucoup moins disponible dans le comté. On siège beaucoup plus à la Chambre des communes. Bon. Parlez-moi de la... On reviendra au bureau de comté, mais parlez-moi de la grosse différence. Parce que vous avez été député pendant quoi? Un mandat à Québec? Oui. 2003-2007. C'est quoi la différence entre un député fédéral et un député provincial au niveau de la logistique, au niveau de la présence requise à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent dans la différence entre les deux paliers? Bien, un peu ce que je viens de faire allusion, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à Ottawa. C'est presque 5 jours semaine à Ottawa et... Comparativement au provincial, où est-ce que, règle générale, je partais le mardi matin puis je revenais le jeudi soir, donc ça me permettait une plus grande présence dans le comté. Donc, ça veut dire que les gens qui travaillent à mon bureau, je dois avoir une équipe là, que j'ai entièrement confiance. C'est eux qui vont gérer davantage les cas de comté. Et aussi, l'équipe, à l'époque où j'étais à Québec, j'avais une personne qui était là à un tiers de temps. On était 3 députés, on se partageait un attaché politique. Et là, j'ai un attaché politique à plein temps. Et certains en ont même jusqu'à 2, parce que dans le fond, je vais travailler à partir d'Ottawa, donc pour travailler les dossiers principalement de développement. Pourquoi un député fédéral, pourquoi la présence d'un député fédéral est-il davantage requise, dans ce cas-ci, c'est la Chambre des communes versus l'Assemblée nationale? Bien, la compréhension que j'ai jusqu'ici, ouais. Là, parce que ça vient de commencer, il y a plus de législation. On doit être présent continuellement à la Chambre des communes, mais aussi le rôle du député est plus important à la Chambre des communes qu'à l'Assemblée nationale. Je ne vous cacherai pas qu'à l'Assemblée nationale, si on est un député au pouvoir et qu'on n'est pas ministre, on intervient peu à l'Assemblée nationale. Tandis qu'à la Chambre des communes, il y a les trois partis ont la chance de s'exprimer, autant les députés que les ministres. Donc, jusqu'ici, j'ai pu faire déjà une première allocution. Je vais pouvoir en faire régulièrement à la Chambre des communes. Je vais pouvoir intervenir, amener des nouveaux dossiers ou encore poser des questions aux ministres. Comme député, c'est beaucoup plus intéressant. Ah oui? Oui.
de la participation. Donc, on est l'expression qu'on avait des fois à Québec, souvent on avait à jouer pendant la période des questions le rôle de plante verte. Mais là, on sent qu'on participe réellement là, à Ottawa. Bon. Je reviens à vos bureaux de comté. Vous avez fait allusion, évidemment, à vos équipes respectives de Saint-Jean et d'Ottawa. Qui sont les personnes qui travaillent dorénavant avec vous ici, d'abord dans le comté de Saint-Jean, au bureau de la rue Mérand? Bon, au bureau de la rue Mérand, le responsable du bureau, c'est Roger Couture. Roger, que je connais bien parce qu'il a été conseiller municipal à l'époque où j'étais maire. Ensuite, Nicole Thibodeau, qui a été impliquée dans plusieurs associations dans la région. Ensuite, il y a, j'appelle le jeune du bureau, Maxime Tremblay, qui vient de terminer une maîtrise en sciences politiques. Donc, ça lui permet de mettre en pratique ses connaissances. Et j'ai été chercher aussi quelqu'un du monde agricole, Marie-Josée Gay. Bon. Et quel est le mandat de ces quatre personnes, dans le fond? Quel est leur quotidien, leur travail de tous les jours? Quels sont les dossiers qu'ils doivent traiter dans le bureau de comté, surtout quand le député, lui, physiquement, est à Ottawa? OK. Bien, il y a différents dossiers, mais il y a une caractéristique au bureau de Saint-Jean que j'ai appris, c'est le service des passeports, qui est donné dans peu de comtés. Je parlais avec mes confrères. Vous connaissez l'historique? Non, je ne connais pas... C'est très drôle parce que quand Tariq Brahmi est devenu député, il m'a dit exactement la même chose que vous. Là, j'ai découvert que, bon... et au début, je pense que M. Brahmi voulait enlever ça. Mais je pense que finalement, il l'a maintenu. Mais initialement, ça part de Claude Bachand. Parce qu'à l'époque, Claude Bachand, à certains moments, les gens lui disaient, bien, tu montes à Ottawa, tu peux-tu amener des passeports? Et ça a commencé comme ça. Sauf qu'évidemment, M. Bachand, l'offrant pendant plusieurs années... M. Brahmi n'a comme pas eu le choix de continuer la tradition. Puis là, ce que je comprends, c'est que vous êtes pris avec le morceau. Puis ça, c'est correct, c'est ça, ouais. Puis je regarde, c'est un service que les gens sont habitués, puis je pense que ça donne une présence du député. Ouais. Mais c'est un bon genre d'aller fréquenter le bureau de comté du député, c'est ça? Aussi? Exact. Ouais. Il y a des traités, il y a aussi des dossiers, puis on en a quelques-uns, de gens qui sont des immigrants, qui ont besoin d'attestations, ainsi de suite, des dossiers de réfugiés que l'on a aussi au bureau. Il y a évidemment les pensions de vieillesse que les gens viennent. Donc, il y a différents dossiers qui sont à titre personnel que les gens viennent, mais aussi, ils ont à faire les suivis dans des dossiers de développement. Aujourd'hui, exemple, je rencontrais les gens du Collège militaire parce que vous avez vu que j'ai fait une priorité du retour du bac en sciences humaines au Collège militaire. Et je peux dire que la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec les gens au Collège militaire, on pense que c'est réaliste que dans le mandat, qu'on est à la fin, on puisse de nouveau avoir des gens qui reçoivent un baccalauréat et que l'accréditation universitaire soit reconnue au Collège. Donc, ça, c'est un dossier que c'est Roger Couture qui va le suivre avec moi. Demain, vous savez que j'ai créé un comité pour créer une structure pour accueillir les réfugiés. Il y avait un manque dans la région. On sait que tout le monde, je pense qu'on a vu les journaux, on a dit les 11 principales villes, les 14 villes les plus importantes au Québec ont une structure, puis ils vont accueillir des réfugiés, et Saint-Jean n'était pas là. Et je me suis fait poser la question plusieurs fois. Moi, il me disait, Éric, non, y a-t-il des Syriens qui vont venir à Saint-Jean? Et honnêtement, j'étais incapable de répondre à cette question-là. Finalement, j'ai vu qu'il y avait un couple, là, je pense, qui parrainait là, deux, trois Syriens, mais ça s'arrêtait là, là. C'est ça. Et la structure qui existe structure dans les autres municipalités, c'est d'accueillir les gens qui sont non parrainés. Et il y a un, où est-ce qu'on a été touché, moi, avec un certain nombre de personnes. C'est comme ça qu'est né le comité. On se disait... il y a un acte humanitaire à faire et comment ça que Saint-Jean n'est pas présent pour accueillir ces gens-là? Tu sais, tu as des familles là, qui sont abandonnées, ils sont 4 millions de personnes et qu'on ne jouera pas un rôle là-dedans. Puis il faut dire aussi qu'en arrière, on avait notre premier ministre qui nous a poussés, qui a créé des attentes élevées. Et là, on s'est rendu compte que finalement, on ne l'avait pas et on s'est dit, on va la créer. Il y a un acte humanitaire, mais il y a aussi un intérêt économique. Si vous avez vu les chiffres de statistiques la semaine passée qui ont été publiés dans le Canada français, c'est qu'on a eu seulement 300... la population du Richelieu a augmenté de 303 personnes et que d'ici 15 ans, la population du Richelieu va commencer à diminuer. Donc,
allons chercher notre part ayant en structure. Puis la structure, c'est pas juste pour les réfugiés, c'est pour les futurs aussi, qu'on ait cette formule. Si on était capable d'aller chercher 80 personnes par année, je pense que le milieu est capable d'intégrer ces gens-là facilement dans notre société. Et c'est des plus pour nous, c'est un plus pour nous autres. Donc, c'est une bonne semaine. Si on regarde Collège militaire, Comité des réfugiés, et jeudi, c'est la consultation budgétaire. Vous savez que M. Trudeau a demandé au ministre des Finances de faire une consultation budgétaire à l'ensemble du Canada. Et on était chanceux, le Richelieu, parce que pour la Montérégie, elle va se faire ici. Et quand j'ai parlé avec le secrétaire d'État, M. Champagne, qui est député de Saint-Maurice, ipso facto, il m'a dit, Jean, on va la faire chez vous. Puis il dit, on va la faire pour de ça à une place névralgique, ton dossier, au Collège militaire. Au collège. Fait que déjà, je peux vous dire qu'au caucus, là, les gens, quand ils me voient, là, ça s'appelle Collège militaire. Autant à l'époque, quand j'étais député au provincial, quand ils me voyaient, ça s'appelait la 35. Donc, c'est un dossier qui est déjà connu à Ottawa. Et ça va permettre aux gens, en fait, l'ensemble de la population est invitée au pavillon d'Extras, jeudi à 2h. Ça va durer 1h30. Le secrétaire d'État va intervenir à peu près une dizaine de minutes pour donner les grandes lignes présentement des politiques. Et après ça, ça va être des suggestions qui vont venir de la salle. Bon, parlez-moi du bureau d'Ottawa maintenant. Qui sont les gens qui vous accompagnent là-bas? Présentement, il y a une personne, c'est Patrick Grégoire. Patrick, c'est quelqu'un à qui j'ai enseigné l'économie et qui s'est offert pendant la campagne électorale, qui a travaillé à la presse comme journaliste, qui a une formation aussi en droit et qui a été propriétaire d'un hôtel en Gaspésie. Puis il venait de vendre son hôtel en Gaspésie, puis il a vu mon Facebook, puis il dit « J'ai une année sabbatique. » Et j'aimerais ça, faire la campagne électorale. Et il a fait ses preuves et il va travailler. C'est lui qui va s'occuper des dossiers, faire les liens avec le bureau de Saint-Jean, les dossiers de développement, les deux ministères. Je pense qu'en particulier, là, on travaille le dossier, il y a le rapport de la commission mixte qui vient de sortir. Donc, il planifie mes rendez-vous pour rencontrer les gens, pour faire expliquer les recommandations de la commission mixte et le suivi qu'on doit y faire. Parce que j'espère qu'on n'aura pas juste un rapport, mais qu'on va passer à l'action, qu'il va avoir des gestes pour assurer la sécurité des riverains du Richelieu. Bon, là, vous avez dit tantôt que vous avez déjà prononcé quoi? Une première allocution à la Chambre des communes? Oui. Quel était le sujet? Principalement, les deux priorités c'est ce que vous avez exprimé du Richelieu. Là-bas, exactement. Le Collège militaire, de retrouver le cours universitaire et d'offrir un bac. Et aussi de terminer la 35, qui est un axe de développement important. Puis je pense qu'on a une opportunité. On sait qu'on va augmenter les montants en infrastructure au gouvernement fédéral. Donc, on va essayer d'aller chercher notre part. Bon, au début de l'entrevue, je vous demandais un peu la différence entre Québec et Ottawa. Bon, à Québec, c'était quoi? 125 députés dans un milieu francophone. Là, vous êtes à Ottawa, plus de 300 députés, majoritairement, évidemment, dans un milieu plus anglophone. C'est pas le même genre de ville. On peut y aller en tourisme, mais le fait de l'habiter plusieurs jours par semaine, c'est quoi la différence que vous avez constatée là, jusqu'ici sur les différences de milieu entre l'Assemblée nationale et la Chambre des communes? De ce côté-là, puis c'est un élément important que vous apportez, c'est que, exemple, à Québec, on était à peu près 63 députés élus pour être au pouvoir. Donc, on a un caucus, on est 63. Il y a 30 ministres, fait qu'il y en a un qui est assis à côté de toi. C'est qu'on sent que les cas qu'on a discutés avec les ministres se font au caucus. Il n'y a pas de problème. Là, c'est rare qu'on prenne 178, 184. 184 députés. Donc, et je peux vous dire que la salle où on a nos caucus est exiguë. Donc, ça ne favorise pas tellement les échanges. On est réellement concentré à ce qui se passe en avant. Et il faut fonctionner par rendez-vous. Puis je pense que c'est tout à fait normal au nombre où on est. Puis il n'y a pas juste nous autres. Là, je parle du caucus du Parti libéral, mais on est 338, si je ne me trompe pas, députés au total. Donc, c'est une autre structure. Juste au niveau des immeubles, à Québec, tout se passait à peu près au Parlement. Tandis que là, il y a une dizaine d'immeubles là, où est-ce qu'on circule. Il y a des navettes pour se promener entre les immeubles. C'est tout un autre monde. Mais tout à l'heure, vous parliez ville anglophone.
c'est surprenant. Le fait français, on entend parler à peu près toujours français. On n'a pas l'impression qu'on est dans une ville anglophone. Ça, ça a surpris. Et les fonctionnaires parlent tous français. Et je vais au pif, là, ce que je vous dis. J'ai l'impression qu'il y a plus de fonctionnaires francophones que d'anglophones. Ouais. Et ça, là, j'ai pas de statistiques, mais et surtout dans les postes de direction, on se rend compte que c'est à peu près juste des francophones qui sont là en place. Oui. Bon, si on revient dans le fond, donc, à vos grandes priorités, collège militaire, avoir un bac, probablement en cours de mandat, qu'en est-il de la base militaire? Avez-vous des demandes particulières? Avez-vous déjà pu rencontrer les commandants qui sont en poste à l'École des langues, l'École de leadership, l'École des recrues? Présentement, au niveau de la base, des informations que j'ai eues aujourd'hui, c'est que au niveau des recrues, la moyenne est à peu près de 4 000 par année qui sont formés. Cette année, ça tend à 6 000. La base et le collège, au niveau des espaces, présentement, tout est occupé au maximum. On avait regardé dans les premiers temps, voir est-ce qu'on pourrait accueillir des réfugiés ici. Ouais. On parlait peut-être de 40 places, puis en déplaçant des gens. Puis donc, présentement, on peut dire, base collège, là, si on parle de la fermeture du collège militaire, collège militaire, là, on parlait de 100 étudiants à l'époque. Ouais. Donc, aujourd'hui, ils sont autour de 200, mais ça a été compensé par d'autres formations qui se donnent. La base militaire, comme je vous dis, est employée à son maximum. Donc, à partir de ce moment, c'est ce qu'on me disait là, aujourd'hui, là, mais j'ai parlé avec les gens du collège et non de la base que je vais rencontrer, mais c'est ce que la compréhension que j'ai eue de ce côté-là. Bon. Est-ce que vous avez déjà pu vous entretenir avec le nouveau ministre de la Défense? Comme Saint-Jean est une ville de garnison avec des installations militaires, d'ailleurs, je me rappelle, je ne suis pas capable de prononcer son nom encore, là, au ministre. Saint-Jean. D'ailleurs, j'ai lu un papier, une biographie sur lui, je pense que c'était dans la presse en fin de semaine. C'est un bonhomme quand même fort intéressant, qui disait d'ailleurs que le fait de porter le turban et la barbe, de par ses origines, l'ont probablement protégé dans sa vie militaire, entre autres dans ses missions en Afghanistan. C'était très intéressant. Si vous avez manqué ça, c'était dans la presse en fin de semaine. Mais est-ce que vous avez déjà pu le rencontrer ou discuter un peu avec lui? On s'est salué. Je lui ai dit que j'aurais un dossier. Sauf que ce qui est clair pour moi, je lui ai dit que je vais aller chercher des informations parce que avant de faire la promotion d'un dossier, il faut s'assurer que le milieu le veut, que ça répond. Et je pense que là-dessus, là, on était pas mal alignés, le collège militaire, les attentes du politique et les attentes de l'armée, on converge ensemble. Et là-dessus, je vais avoir une opportunité, c'est que le ministre est mon voisin dans l'édifice de la Confédération. Ah, mais ça donc, ça veut dire qu'il va y avoir des rendez-vous formels, mais déjà informels. Mon attaché politique est déjà pris contact, là, voit régulièrement l'attaché politique du ministre. Donc, ça, je pense que ça va aider. Ça a été une opportunité. Et j'ai aussi un autre appui pour le collège militaire, c'est M. Blaney qui m'a donné son appui inconditionnel. Et c'est un autre voisin de bureau. Donc, les opportunités, je pense, que sont là. Et en tout cas, je pense que c'est très réaliste. Les bureaux ne sont pas regroupés par parti ou par… Nous sommes les deux seuls libéraux sur l'étage, le ministre et moi, et le reste, ce n'est que des conservateurs. Et le hasard, tous les conservateurs qui sont là, je les ai connus dans une autre vie, dans l'autre occasion. Exemple, le maire de Thetford est sur le terrain, Mme Boucher, qui a été une attachée politique au Parti libéral. Donc, plusieurs personnes que je les connaissais dans l'ensemble. Bon. Quelles sont maintenant les autres priorités que vous désirez amener, là, tout le moins au cours de la prochaine année, là, mis à part le collège, évidemment, qui est un gros morceau. Je sais qu'en campagne électorale, on parlait entre autres de Parc Canada. Il y avait d'autres priorités que vous aviez identifiées également. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Bon, Parc Canada, je rencontre jeudi soir le maire de Saint-Paul, donc qui est principalement là, lié avec Parc Canada. C'est que je vais aller, il va me définir davantage ses orientations. Mais il va y avoir aussi d'autres priorités pour l'ensemble de la région. On sait qu'il va y avoir Structure 150 pour fêter le 150e anniversaire du Canada. Ça fait qu'il y a déjà des demandes qui ont été faites, soit par la Légion, le Festival des Montgolfières, la Ville de Saint-Jean. Donc ça va être des dossiers à piloter à Ottawa. Et ce dossier-là, bien, c'est Mme Joly. Donc, avec Mme Joly, il y a déjà de planifier
une rencontre là, avec les gens de Saint-Jean. Quand on s'est entendu, elle a dit « ramasse tous les dossiers, puis il faut qu'elle monte son bureau, et ainsi de suite. » Puis elle a dit « on se parle au retour le 25 janvier, puis on va planifier quelque chose pour rencontrer les intervenants de ta région, dont le maire, M. Fecteau, les gens du Festival des Montgolfières, la Légion, et ainsi de suite. Bon, » Parce que déjà, est-ce qu'il y a certains maires, dont le maire Fecteau, qui vous ont déjà dressé une liste d'épicerie? On se voit demain. Je présume, ouais, c'est ça. Demain, c'est ça, après la rencontre comité, parce que demain, ça va être une étape importante, parce qu'avant de pouvoir continuer, il faut s'assurer de l'appui du milieu. Et demain, M. Fecteau, après sa convalescence, va participer à Réunion. Il m'a dit « Je suis partie prenante et demain, il va être là. » Et avant de pouvoir aller chercher de l'argent au provincial et au fédéral, bien, il faut que la MRC, la municipalité de Saint-Jean s'implique. Donc, c'est un des dossiers qu'on va parler demain en août, les programmes de subvention pour aller chercher notre dû. Et je sais qu'il va être là aussi pour amener ses projets lors de la consultation budgétaire jeudi à 2 h au Dextrans. Sur la scène politique plus fédérale maintenant, on le sait, vous l'avez dit, le ministre des Finances est en consultation. Je lisais d'ailleurs une déclaration, c'est ce matin, où le premier ministre Trudeau dit il est même possible que le déficit soit même peut-être plus élevé qu'on pense. En tout cas, ça fait partie des cartons. Au niveau des politiques nationales que le Parti libéral veut amener, qu'est-ce que vous sentez qui bouge là en ce moment? Oui, on prépare le budget. En même temps, il y a des crises de sécurité à gérer. Il y a eu les attentats de Paris. Il y a évidemment ce qui s'est passé au Burkina Faso, en Indonésie. Bref, il y a tout un paysage à l'égard des enjeux de sécurité. Il y a des enjeux économiques en même temps. C'est quoi, dans le fond, les grandes lignes auxquelles on doit s'attendre de la part du nouveau gouvernement libéral? Ça va ressembler aux engagements politiques qu'on a pris. Ça, je pense que... Et ça, là-dessus, là, je sens qu'il y a tellement une dynamique et que les choses vont rapidement à Ottawa. J'ai un peu d'expérience politique, soit au municipal, au provincial, et les bouchées sont doubles. Il était clair, en campagne électorale, on a dit, priorité, la classe moyenne. Pour relancer l'économie, on va baisser les impôts. M. Trudeau l'a confirmé, il va avoir la baisse, tel qu'annoncé. Un nouveau programme parental qui va donner plus d'argent aux gens. Ça va être un des moyens pour relancer l'économie. On voit que la récession, elle est plus importante qu'elle était prévue. Programme d'infrastructure, même chose pour relancer l'économie, parce qu'il faut, on a investi tous nos œufs dans le même panier avec le pétrole. Donc, il faut rééquilibrer notre économie. Programme d'infrastructure font partie de ça. Programme, on a aussi, au niveau de l'innovation, il va y avoir des nouveaux programmes. Le Centre d'aide aux entreprises va avoir un rôle beaucoup plus important, qui est d'avant-garde, en passant à Saint-Jean avec les incubateurs. Il va y avoir de l'argent aussi pour les incubateurs. Donc, les structures sont déjà en place pour prendre de l'expansion. Au niveau de l'augmentation du budget, on a un caucus majeur dimanche. On va sûrement en parler, mais on voit que l'ensemble des économistes disent présentement qu'il faudrait que ça soit davantage que ce qui avait été annoncé pour relancer l'économie. Mais tout ça... Les décisions vont être prises avec l'exercice financier qui est en train de se faire, après des consultations à l'ensemble du pays. Mais présentement, ce que j'entends un peu partout des consultations, c'est que l'ensemble des gens disent « ça prend un budget davantage, on pourrait aller plus que le 10 millions, on a parlé de 9,5, 9,5 et 4,5, possiblement, mais toujours en gardant qu'à la fin du mandat, qu'on retrouve l'équilibre. Bon. » Au-delà des engagements, soit à l'égard de l'accueil des Syriens ou encore des engagements pour la classe moyenne avec les baisses d'impôts et tout ça, il n'en demeure pas moins que c'est un nouveau gouvernement, évidemment, qui doit faire face à des imprévus. Je reviens encore à ça, mais les enjeux de sécurité actuellement sur le plan mondial sont quand même assez importants. Certains critiquaient la décision de ramener les CF-18 du Moyen-Orient. Là, il y a eu évidemment les événements du Burkina Faso. Il y a eu plusieurs Canadiens, dont plusieurs Québécois, entre autres de Lac-Beauport ou de la Gaspésie, là, qui sont morts dans ces attentats. Ça va être quoi la politique étrangère ou à tout le moins la politique de sécurité du gouvernement Trudeau? Sans vouloir présumer, parce que le ministre Saint-Jean a annoncé qu'il y aurait un nouveau livre blanc sur la politique sécuritaire et de défense au Canada. Mais déjà, il a donné certaines orientations et le choix de M. Trudeau, du ministre, vous avez lu l'article dans la presse en fin de semaine, et ce qui m'était confirmé, et c'est là-dessus qu'au Collège militaire, on axe la formation,
c'est davantage de s'intégrer aux populations et de les aider que de faire de la confrontation. Et il semble que même les Américains, dans l'article, on le voyait, allaient chercher l'expertise qu'avait le ministre dans ce domaine-là. Donc, je pense que le choix de M. Trudeau nous donne une orientation qu'on va être des gens qui vont être davantage pour aider les populations, finalement, à prendre leurs responsabilités que tout simplement aller, pas tout simplement, mais faut considérer que sur la scène mondiale, nous sommes un petit pays. Et les équipements, on voit ça, c'est à coût de milliards. Et on a l'expertise qu'on avait jusqu'à dernièrement, c'était l'aide aux populations, comment se défendre et comment s'organiser démocratiquement. Bon, certains observateurs de la scène politique, disons, reprochaient au premier ministre, disons, d'avoir eu des réactions peut-être un peu trop douces quand on a eu les attentats de Paris ou même les attentats d'Indonésie ou de Burkina Faso. Est-ce que c'est l'inexpérience, qu'il faut s'habituer plutôt à ce genre de réactions-là de Justin Trudeau qui sont totalement différentes d'un Stephen Harper? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, mais je pense qu'on avait été habitué à créer la peur. Et je pense que M. Trudeau essaye de dramatiser les choses sans négliger qu'il faut assurer l'ensemble de la sécurité de l'ensemble des Canadiens puis qu'on veut le faire de manière différente. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et bon début de mandat. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Rendez-vous du commerce, c'est un événement très intéressant si vous êtes dans le domaine des affaires. Donc, ça va se dérouler le 24 février 2016 à l'Hôtel Relais-Gouverneur et allez sur le site Internet de la Chambre de commerce pour avoir le détail de toutes les personnes qui vont être en atelier conférence. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment pas très cher. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aussi, à chaque dimanche matin, on vous présente le Télébingo en direct à 9h30 avec 3 500 $ en prix. Nous, on est là demain. Bye-bye.